Moi, ce qui me préoccupe le plus en tant que citoyenne dans l'Assomption, c'est l'environnement avec un grand E. Alors, à ce niveau-là, on peut avoir la rivière, qui est un lieu d'activité vraiment qui prend de plus en plus de sa place. Le comité de valorisation de la rivière L'Assomption fait un excellent travail à ce niveau-là. Mais quand on parle d'activité, c'est une chose, mais on peut parler aussi de protection des berges, protection de la rivière vraiment, à proprement parler. On a des beaux oiseaux, il faut apprendre à les connaître. On a aussi, l'ONU a fixé à 18 % le couvert forestier. Où est-ce qu'on en est dans l'Assomption? Je ne sais pas. Si on peut avoir éventuellement avoir une politique en environnement, c'est ce qui serait le plus... Moi, je serais vraiment comblée. Et avoir aussi un comité consultatif de citoyens en environnement, ce qui se fait dans d'autres municipalités, d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs citoyens dans l'Assomption qui sont des compétents et intéressés par ce genre de comité. Et on aurait vraiment l'impression d'être partie prenante de notre milieu, de l'environnement, avec un grand E, dans l'Assomption. Alors, voilà.